Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. C'est le festival de la culture et la première chose qui nous réunit en culture, c'est le partage des préoccupations que nous avons pour l'humanité. Le Québec, depuis toujours, a eu les bras ouverts pour le peuple palestinien. Je me rappelle, la première fois que j'ai marché pour la Palestine, je devais avoir 12, 13 ou 14 ans. Et à cette époque, il y avait un Québécois qui portait un keffiyeh palestinien, ici même sur Sainte-Catherine. On s'est rendu un peu plus loin et devant la place des Arts, ce monsieur est allé parler pour décrier la situation du peuple palestinien. Donc c'était dans les années 70 et c'était un autre porte-parole du Conseil central de Montréal et il s'appelait Michel Chartrand. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, heureusement, le peuple québécois est toujours à côté du peuple palestinien. On ne peut pas en dire autant, malheureusement, des partis au pouvoir. On ne peut pas en dire autant. Bien sûr, on s'attendait à rien de la part d'un gouvernement conservateur, mais on s'attendait à un minimum de la part d'un gouvernement libéral qui le remplace et qui prétend restaurer la place du Canada dans le concert des nations en faveur de la paix. Si c'est le cas, le gouvernement de M. Trudeau a un devoir urgent. C'est celui de dénoncer, comme Jean l'a demandé tout à l'heure, le comportement barbare de l'armée israélienne et des gouvernements de droite à l'endroit du peuple palestinien. Donc, il y a une première responsabilité qui incombe au gouvernement libéral, à Justin Trudeau, à Stéphane Dion, d'enfin reconnaître ce que le Canada, en principe, reconnaît depuis 40 ans, c'est-à-dire l'illégalité de l'occupation, l'illégalité du processus d'expansion du gouvernement israélien et donc de le dire haut et fort et de signaler son opposition aux politiques d'expropriation, aux politiques de colonisation, aux politiques de peuplement du gouvernement israélien. Mais deuxièmement, il y a des responsabilités des partis d'opposition. Je suis content de voir que le Bloc québécois est ici et j'en appelle ici très ouvertement à mes amis du nouveau Parti démocratique. Nous aimerions avoir le nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois d'une même voix. Faire